Dans le jardin public se trouve un zoo que Timook et Alfred traversent pour atteindre la sortie. Ils longent des cages d'animaux sauvages, des ours endormis, des loups assoupis. Un froissement de feuilles se fait soudain entendre. C'est alors qu'apparaît, hors de sa cage, un tigre puissant et magnifique. Mais Timook n'a pas peur. Il admire le fauve. Peut-être est-ce le plus bel être vivant qu'il ait jamais vu. Le tigre les regarde avec bienveillance et il parle. Je te connais, Timook. Je sais le sortilège qui te frappe. Dans le pays du matin calme d'où je viens, j'ai le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. La parole te reviendra, mais par une voix que tu ne connais pas encore. Le tigre se détourne. Timook voudrait le suivre, il voudrait en savoir davantage. Trop tard. L'animal magique disparaît dans un buisson. Alfred conduit Timook jusqu'à la grille du parc. Une fois la grille poussée, le jeune prince se retrouve à nouveau dans le couloir du château. « Je dois retrouver le tigre pour qu'il me rende la parole », pense-t-il.
Il court jusqu'à la troisième fenêtre. Il n'a même pas pris le temps de regarder ce que la toile représentait. Il tend le bras et se retrouve dans une petite maison.